Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour les Verseaux pour le mois de mars 2022. On va aller voir pour nos amis Verseaux les messages à vous faire passer du tarot de Marseille, de l'univers pour vous pour ce mois-ci. J'ai la roue de fortune qui vient de se retourner pour vous mes amis, on va voir. Et j'en profite le temps de battre les cartes pour vous remercier d'être ici. Vous souhaitez bienvenue si vous découvrez la chaîne à l'occasion de ce tirage. Et voilà, vous remercier pour tous vos pouces. Pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo. Je vous en remercie infiniment pour m'aider à référencer la chaîne, à me faire connaître si vous voulez m'aider. C'est le meilleur moyen. Donc, je vous en remercie à tous. Et merci de votre fidélité, de votre confiance. Alors, je vais voir pour nos amis Verseau ce que l'univers m'indiquer. Je vous demande s'il vous plaît de me donner des messages précis, éventuellement prédictifs pour nos amis Verseaux. Qu'est-ce qui peut se passer sur ce mois de mars? Quels sont les messages importants, les situations qui peuvent se présenter ou les messages importants à leur faire passer, s'il vous plaît? Allez déjà faire une coupe. Le monde, le chariot à l'envers. Bon, là, vous aviez peut-être eu du mal à avancer, hein, vous étiez peut-être bloqué précédemment, sur les semaines ou les mois qui viennent de se passer. Et je pense que là, la roue, elle va quand même se déclencher un petit peu pour vous. Ça va changer pour vous. Soit vous allez retrouver un petit peu du poil de la bête avec cette roue de fortune là qui s'est retournée dans le paquet, de manière à terminer les choses bien comme il faut et du coup à recommencer quelque chose. Soit, en fait, ça va se libérer un peu tout seul. C'est-à-dire que vous vous sentiez peut-être un peu, comment dire, pas piégé, mais peut-être un peu en stagnation, comme si les choses n'avançaient pas trop dans votre vie. Et là, ça va, j'ai l'impression, moi, quand je vois ce tirage, le ressenti que j'ai, que ça va un peu se libérer. La roue va se remettre à tourner. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon ressenti, là, pour les Verseaux. Alors, on va aller voir avec les cartes. Verseaux. Mars 2022, et après je recouvrirai avec les cartes mineures. Là j'ai le diable, le chariot à l'envers qui ressort ici, et la force. Vous avez peut-être eu des problèmes financiers aussi, mes amis, quelque chose qui vous a bloqué. Et là vous allez reprendre la force là-dessus, vous allez reprendre la maîtrise sur les événements. Si c'est le cas, si vous avez eu des problèmes financiers, ou si vous avez eu des personnes peut-être qui ont eu une forte emprise sur vous, ça peut être une emprise physique hein, ou matérielle ou une emprise psychologique, quelque chose qui vous a bloqué, vous allez certainement reprendre pas mal de vigueur et surtout la maîtrise de la situation. Bon, ça, il va falloir que je le plante. Je l'ai mis là pour le replanter. J'attends que ça fasse des racines. Alors, ici, j'ai le pendu à l'envers, la justice, la lune à l'envers et la tempérance. Donc un mois quand même, vous allez ressentir franchement quelque chose qui retrouve son juste équilibre, vraiment, hein, j'allais dire le juste prix, parce que bon, moi c'est à l'époque où il y avait le juste prix à la télé quand j'étais jeune, et là ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi, excusez-moi, je suis en plein délire là. Comme si en fait, je sais pas, il y avait eu peut-être des problèmes financier ou juridique ou quelque chose par rapport à de l'argent. Je sais pas, ça me parle aussi d'argent, moi, de financier. Comme si, comment vous expliquer? Je sais pas, moi, vous avez acheté un truc qui n'était pas au juste prix, bim, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer par rapport à ça. Si vous avez des problèmes d'argent, en tout cas, il y aura, même si ça tombe en contre, ici, avec la tempérance, parce que moi, je lis le jeu, en fait, là, j'ai le pour, le contre, la situation actuelle, votre ressenti, et ce qui va arriver, si vous voulez, plus je l'interprète avec la carte résultante, mais je le lis aussi de cette manière-là, le jeu, en partant de là à là. Bon, je ferai une formation sur le tarot, mais j'ai 50 trucs à faire. Je voulais faire aussi une formation sur les arcanes mineures, on me l'a redemandé, il faut que je m'en occupe. Alors, bon, ceci dit, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, avec les problèmes d'intendance. Ce que je veux vous dire, c'est que je ressens quand même quelque chose, soit de financier, juridique, qu'il faut, alors soit ça va peut-être être à vous, quelque chose qui vous angoissait jusque-là, mais vous êtes en train d'en sortir, quelque chose
qui n'était pas équilibré et qui va, je pense, soit parce que vous allez mettre le nez dedans, vous allez mettre de l'ordre et vous allez faire ressortir des vérités vous-même, peut-être, on va voir. Hein. Donc, du coup, ça va revenir à la normale, vous allez retrouver un point d'équilibre, soit parce que vous aurez quelque chose qui va se passer, comme une roue qui va tourner, les choses vont changer, en fait, malgré vous et en bien. Voilà. Alors là, j'ai le pendu ici qui m'indique aussi que vous allez, que justement, peut-être en lâchant prise un peu sur cette situation aussi, c'est ce qui va aussi débloquer les choses. Même si, comment vous dire, vous avez l'impression que en faisant, par exemple, qu'il n'y a que les actions, il n'y a pas que les actions, si vous voulez, qui impactent les choses de votre vie. Hein. Peut-être que le fait, par exemple, d'y penser tout le temps, les amis Verseau, penser tout le temps à quelque chose qui vous prend la tête, par exemple, ça bloque. Ça bloque en fait dans la matière ce qui se passe. Donc peut-être un lâcher prise aussi, ce qui va aider, c'est peut-être justement un lâcher prise de plus forcément vous prendre la tête avec des problèmes, soit financiers, soit juridiques ou quoi, qui va faire que mathématiquement, si vous voulez, logiquement, mathématiquement, ça c'est les grandes lois de l'univers, hein, en lâchant prise, ben, ça débloque les choses. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise aussi là-dessus. Alors, je vais calculer la résultante. 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 5, 6, 7. Donc, j'ai de nouveau ce chariot qui est ici, qui tombe à l'envers. Et du coup, ici, j'ai le diable, la force et le soleil. Donc, ça m'indique encore là ce que je viens de vous dire, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi votre vision des choses par rapport à la situation. Si vous êtes trop pessimiste sur une situation aussi, ou trop alarmiste ou que vous avez du mal peut-être à lâcher prise, ben, ça peut bloquer les choses. Hein. C'est ce que ça m'indique aussi, hein, là. Donc faites attention, c'est le message des cartes, de ne pas vous bloquer vous-même quelque part en ruminant ou en pensant au pire, par exemple, ou en pensant à des problèmes financiers, juridiques, ou ça peut être avec quelqu'un, aussi des problèmes relationnels. On va aller voir avec les arcanes mineurs, mes amis Verseau, pour ce mois de mars 2022, ce que ça peut nous indiquer en plus. Nous préciser, nous confirmer ou infirmer, nous donner des messages en plus, des messages complémentaires qui vont venir, ben, peut-être vous confirmer le domaine, par exemple, ou des précisions aussi sur ce qui peut se passer concrètement. Là, on voit qu'il y a quand même l'amélioration d'une situation, mais on vous dit juste de faire attention, de ne pas bloquer aussi vous-même les choses. Mais bon, vous serez aidé, j'avais cette roue de fortune qui est sorti dès le début du tirage à l'endroit. Donc, je pense que les choses vont se remettre petit à petit en équilibre. Mais vous avez quand même la justice en contre. C'est pour ça aussi que je vous dis que vous auriez intérêt à lâcher prise dans votre tête, hein, pour pouvoir débloquer les choses dans la matière. J'espère que je me fais bien comprendre. Pas ruminer sur des problèmes ou des choses. Parce que vous bloquez les choses, hein, quand vous faites ça, faut le savoir. Hein. Faut laisser couler un peu des fois aussi. Alors, on va faire la coupe pour voir en dos de deck. L'as de bâton. Donc ça, c'est très très bien. Donc, j'ai l'as de bâton. Et pour les cartes, pour nos amis Verseau, pour le mois de mars 2022. Alors, nous avons le 2 de denier à l'endroit, la reine de bâton, la reine de coupe, le 5 d'épée à l'envers et le valet de denier. Donc là, bon, je pense que vous serez quand même assez content parce que je ne vous dis pas qu'en tout début de mois, vous ne serez pas confronté à certaines choses ou que vous n'aurez pas une certaine ambivalence ou peut-être, je vous dis, comment dire, une forme de déséquilibre, peut-être dans vos comptes, peut-être avec une personne, dans une relation avec une personne. Hein.
Je vous dis pas que les choses vont se régler toutes seules, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur la fin du mois, l'amélioration de la situation et la sortie de... C'est pas vraiment de trahison là que je le ressens, mais plutôt la sortie de choses qui vous prennent la tête, qui se passent pas forcément... ça peut être des trahisons, mais c'est pas comme ça que je le ressens là, ici, dans ce tirage. J'ai plutôt l'impression que c'est des... Je vous dis des problèmes. Alors, j'ai pas de denier à part celui-là, mais j'ai pas vraiment de denier et celui-là, mais qui me dirait que c'est des problèmes financiers. Mais ça me parlait, moi, de quelque chose de financier ou peut-être un procès ou quelque chose de juridique. J'ai comme l'impression que là, vous allez quand même sortir et rétablir une forme d'harmonie, soit dans vos comptes, soit dans une situation, un procès, je vous dis, ou quelque chose d'administratif avec quelqu'un qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Là, ça va repartir. Vous allez avoir des nouvelles énergies. Vous allez avoir la possibilité de mais pas durant le mois forcément, plutôt vers la fin du mois, hein, de sortir de ça. Voilà ce que je peux vous dire là avec ce tirage. Donc, réfléchissez quand même, voilà, à peut-être trouver des compromis aussi dans cette situation de manière à discuter. Peut-être que vous aurez besoin de faire preuve d'un peu de diplomatie, de discuter avec des personnes sur ce mois. Alors, on va aller voir... Pour chaque décan, mes amis Verseau, pour votre signe solaire, si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ou que par exemple vous regardez le tirage pour quelqu'un mais vous ne connaissez pas son ascendant, ben vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir pour avoir un message en plus. Et sinon, vous prenez votre décan. Alors, le message bonus, on va aller voir pour nos amis Verseau, mars 2022. Alors ici, j'ai la tour qui ressort. Et pour les cartes, donc pour nos amis du premier décan, deuxième décan, ou les gens qui choisissent les cartes, et troisième décan. Donc ici, j'ai la tour. Alors, ici, vous avez l'étoile. Pour nos amis premier décan, les gens qui ont choisi cette carte, l'étoile. Donc là, vous allez vraiment retrouver déjà une vision. Il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci, très, très positif. Un événement. C'est peut-être vous hein, qui bougerez les choses, je vous dis, qui mettrez de l'ordre dans quelque chose. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans quelque chose. En tout cas, ça va se faire un peu naturellement et ça va vous ramener une vision sur votre futur proche, votre futur lointain. Et aussi, ça va, vous allez vous sentir quand même mieux, hein, plus libre, peut-être aussi plus créatif. C'est-à-dire, peut-être vous étiez un peu mains et poings liés dans une situation et vous aviez perdu un peu votre créativité ou votre pouvoir de décision ou votre pouvoir créatif de mettre en place des choses. Et là, vous allez retrouver, il y a quelque chose, un événement qui va se passer, ou c'est peut-être vous qui allez le provoquer, qui va vous permettre de recommencer et surtout de vous libérer, de retrouver votre pouvoir, de la force et de la créativité aussi. Ça me parle comme ça hein, pour vous. Pour nos amis du second décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc pour vous, ben vous sentirez pas forcément complètement libéré. Il y aura quand même une acceptation, des messages aussi à entendre. Là, ce qu'on me dit pour vous, hein, c'est que dans votre mois de mars, vous avez des messages qui vont arriver, des messages qu'il vous faudra réussir à entendre. C'est, comment dire, comme peut-être des flashs. Hein, c'est vraiment le mot qui me vient, des flashs, peut-être des rêves. Par exemple, je sais pas, vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez après un rêve, n'hésitez pas à prendre un stylo, à noter ce qu'il y avait dans le rêve, ça sera peut-être un message pour vous, hein, des messages comme des flashs. J'ai l'impression qu'en fait, vous aurez des flashs comme des révélations et qu'il s'agira pour vous de pouvoir les écouter sur ce mois. Écoutez bien ce que je vous dis parce que pour vous, c'est vraiment le message du tarot qu'on me fait passer pour vous. Hein. Peut-être que les solutions, si vous voulez, les choses qui vont permettre que tout se débloque et que tout s'harmonise et de sortir de votre prise de tête avec quelqu'un dans une situation ou pas,
vous aurez les réponses peut-être en rêve ou par des messages. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes quelque part, quelqu'un à côté de vous à la boulangerie a une discussion, une conversation, et cette conversation, ça va vous donner la réponse à un problème, par exemple, ou vous donner une piste de réflexion. Des flashs qui arriveront là pour vous, qu'il s'agira d'écouter. Pour nos amis, troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc là, on vous dit que vous allez repartir avec votre bâton de pèlerin. Vous allez arrêter de vous isoler, de rester enfermé. Les choses qui étaient bloquées vont se débloquer, en fait. Vont arrêter d'être... Vous allez plus vous sentir stagné, en fait, si vous voulez, sur ce mois. Vous allez repartir avec de bonnes énergies. L'as de bâton, ça me parle de créativité. Donc, peut-être en vous mettant un coup de pied au cul, ou peut-être une situation où vous mettrez un coup de pied au cul, je ne sais pas. Ou c'est tout simplement les événements, un événement qui va déclencher ça, qui va faire que vous allez repartir du bon pied et vous allez débloquer la situation. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez eu les messages que j'avais à vous transmettre. Et je vous embrasse tous. Je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo, de partager si vous le souhaitez et pourquoi pas de vous abonner si vous aimez mes tirages que vous n'êtes pas encore abonné, en activant les notifications. Comme ça, vous êtes prévenus quand je mets des tirages en ligne. Et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.